Monsieur le maire de la ville du Cap-Haïtien, Monsieur le directeur des services de santé de l'OFACMA, Madame, Monsieur les membres du conseil médical, Monsieur le directeur départemental de l'OFACMA, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du CAOS, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices départementales des institutions publiques et privées, chers employés, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue en cette matinée du 28 août qui marque à la fois un double événement, voire un triple événement. Le premier, c'est celui justement de l'anniversaire de l'OFACMA, les 57 ans de l'OFACMA. Donc c'est aujourd'hui qu'a promulgué la loi du 28 août sur l'assurance sociale. Et le deuxième événement, c'est l'inauguration du centre hospitalier du Nord. Et bien avant, pour les assurés en particulier et pour la population capoise en général, en les permettant d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Et particulièrement, les permettant justement de bénéficier de ce à quoi répond l'OFACMA, qui est la garantie de l'accès aux soins de qualité. Mais il est de fait encore plus important que cette nouvelle structure de soins est construite dans le département du Nord, dans la ville de Cap-Haïtien, anciennement Cap-Français, ou bien Cap-Henri, qui est la deuxième ville du pays. Et de fait, nous allons justement recevoir le maire de la ville, M. Patrick Almelon, qui va nous faire l'honneur de nous parler ce que cette structure justement représente pour la ville du Cap. Je me sens vraiment honoré de vous présenter la commission municipale du Cap-Haïtien à l'inauguration du centre hospitalier Nord. Permettez-moi de féliciter toute l'équipe de la Direction Générale de l'OFACMA. Évidemment, sous le leadership du directeur, du docteur Carl François, qui a pris l'initiative de construire et de rénover ce centre hospitalier Nord avec plus de 20 chambres modernes disponibles pour en desservir non seulement les assurés, mais aussi les non-assurés. Cette initiative louable mérite d'être applaudie, mesdames et messieurs. Aidez-moi à applaudir cette initiative. Voici quel type de personne, quel type de leadership, quel type de professionnel que nous cherchons au niveau du secteur public. Des personnes rêveurs, des personnes visionnaires.
des personnes initiateurs qui n'ont seulement l'esprit, mais aussi le sens de créativité. Aujourd'hui, avec la construction de ce centre hospitalier moderne, je peux dire sur le plan sanitaire que le public peut concurrencer le privé en termes de disponibilité du service. Aujourd'hui, l'inauguration de ce centre hospitalier moderne coïncide directement avec la vision que vend la municipalité capoise, à un moment où le Nord est considéré comme une destination. Et comme destination, la gestion sanitaire doit être une priorité. Nous ne pouvons pas parler de destination si par exemple l'hôpital qui a reçu une voie clorissure. Là où mon problème, si on a des dérangements, si on a des malades qui parlent, il faut mon côté qui descend, qui va reçu une voie, ça va aller où venir, il ne va pas tourner encore. Certes, je félicite l'œuvre, le rêve qui devient une réalité, monsieur le directeur général, monsieur le ministre. Cependant, je rêve aussi que la qualité du service offert répondra aux standards internationaux pour la grande majorité. Je rêve que les services offerts soient modernes, que les services offerts soient proportionnels, soient vraiment idéaux, que les services offerts aux assurés et non assurés soient professionnalisés. Que ce centre hospitalier moderne soit bien géré, tant sur le plan institutionnel que sur le plan administratif. Que ce centre hospitalier moderne ne soit pas politisé. Il faut prioriser compétences, compétences, compétences. Servir, servir, servir. Que ce centre hospitalier Nord soit une référence pour la région caribéenne. Merci. Voilà. Et la ville, pour parler de ce que représente cette structure pour l'OFACA, premièrement, pour la ville, deuxièmement, je vous invite, mesdames et messieurs, à recevoir derrière ce bulletin le directeur général de l'OFACA, le docteur Paul François. Sous vos applaudissements. Cette journée dans une perspective de renouveau, pour le Chapin. Bien sûr, c'est l'anniversaire de le Chapin aujourd'hui, comme l'a mentionné M. Rochefort, mais c'est aussi une journée où on fait la démonstration qu'en dépit des difficultés que confronte le pays, que vous savez déjà, il y a encore une possibilité, okay, de faire des choses, de faire des choses importantes. Nous estimons du côté de l'OFAPA que ceci, effectivement, il y a plusieurs dimensions, okay, dans cette réalisation. Il faut savoir que c'est un hôpital, ceci est la première phase, okay, de l'hôpital, qui aura normalement 60 chambres, okay, à son terme. Nous sommes en train d'inaugurer les 20 premières chambres, okay, et les différents services qui vont être fournis, okay, non seulement aux assurés, mais à la population du Nord en général. Donc on a modifié l'ancien nom, ce n'est pas uniquement un hôpital pour le Cap-Haïtien, mais c'est un hôpital pour le département du Nord, qui est en train d'avoir un essor économique extrêmement intéressant, et qui mérite justement un hôpital de ce niveau. Donc ce que je dirais, et ce que plusieurs déjà disent, que c'est un hôpital de niveau international. Donc sur le plan de l'infrastructure, certainement, et ça va être également le cas sur le plan des services. Et dans cette perspective, la direction médicale de l'hôpital, ainsi que la direction développementale de l'OFAPA,
ont cette grande responsabilité de faire fonctionner cet hôpital et de maintenir ce niveau, okay, de cette qualité de service, okay, qui va être fournie à nos affaires, parce que c'est un hôpital qui a été financé à partir des cotisations des assurés, mais également ils ont une lourde responsabilité parce que tout le monde est en train de vous regarder, de regarder ce que vous allez faire de cette institution. Sans nous vanter, c'est une institution qui est vraiment au top niveau, okay? Et même à l'échelle nationale. Personnellement, je ne connais pas de structure de santé actuellement, même au niveau national, y compris au niveau départemental, qui est standard, okay? Et vraiment en termes d'infrastructure et en termes de services que nous allons fournir. Maintenant, je disais oui, au nouveau. C'est un renouveau pour le SAPA. Et depuis que nous sommes au niveau de la direction générale, nous avons entrepris pas mal de chantiers. Et après avoir inauguré l'hôpital Le Bord de Paix, ce mois-ci d'ailleurs, avec la bienveillance sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales, et c'était le 12 août, okay. Et nous voici ici là maintenant en train d'inaugurer ce bâtiment, okay, cet hôpital. Okay. Et nous avons dans nos perspectives de faire finalement l'inauguration également, okay, du bureau central de l'OFATMA, et que nous avons terminé depuis certains mois, mais que nous n'avons pas encore inauguré formellement et officiellement. Nous avons également la perspective, parce qu'il y a des travaux en cours au niveau de l'hôpital des CAI. Okay. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours également pour transformer cette entité. Il y a un premier bâtiment qui est quasiment complètement terminé. Et nous espérons que d'ici la fin d'année, okay, on pourrait avoir une cérémonie de ce type pour pouvoir lancer vraiment l'hôpital des CAI avec une centaine de chambres individuelles. Et comme ce bâtiment. Autre perspective, il y a également le centre de Carcole. Okay. On a décidé de construire un hôpital de Carcole pour les ouvriers, okay, qui travaillent au niveau du corps, bien que récemment, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Le pays a perdu beaucoup d'emplois dans la sous-traitance en particulier, mais pas que dans la sous-traitance. Mais le projet demeure, okay, qu'il nous faut un hôpital. Et on va le faire. Nous avons beaucoup de perspectives en matière de développement de l'institution et nous sommes en train de les réaliser au fur et à mesure et dans un délai, je pense, qui est assez raisonnable, okay, pour pouvoir faire ce genre d'infrastructure. Maintenant, si je n'ai pas oublié quelque chose, en tout cas, il faut quand même. Je dois remercier vraiment tout le staff de l'OFAPA qui s'est impliqué à différents niveaux. Il y a plusieurs personnes. Je n'aimerais pas faire de. Si je commence à citer les noms, ça va être compliqué parce qu'il y a tellement de personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de cet hôpital et dans la réalisation de tous les travaux que nous sommes en train de faire. Il faudrait que je remercie tous les professionnels du bâtiment, beaucoup de personnes. Donc, les professionnels de la santé qui ont travaillé, qui ont conçu vraiment ce espace. Toute l'administration de l'OFAPA qui s'est impliquée également. Maintenant, je vais quand même laisser une lourde tâche à l'équipe qui est là. Hier, on a eu effectivement une rencontre avec tout le personnel. Pour expliquer quand même que, ok, faire ce genre d'investissement, c'est quelque chose de stratégique, okay, pour l'OFATMA. L'OFATMA, comme vous le savez, achète des services auprès des prestataires, mais également possède des institutions de santé. Nous avons 5 hôpitaux, okay, et quasiment deux unités médicales. Maintenant,
nous avons choisi un modèle okay, pour pouvoir nous donner une certaine autonomie au niveau de la prestation de services de santé. Et on va continuer justement à développer ce modèle qui nous donne plus de marge de manœuvre tout en diminuant bien entendu la quantité d'argent que nous dépensons et que nous payons pour les prestations qui se font au niveau d'autres hôpitaux qui ne nous appartiennent pas. Donc je conclurai pour dire que un grand merci vraiment à tous ceux qui se sont déplacés pour venir à cette cérémonie, bien sûr, Monsieur le ministre des Affaires sociales, à toi, Madame la Directrice Générale des Affaires sociales, tous ceux qui se sont déplacés d'une manière générale. Et je dirais en fin de compte que je garde espoir qu'en dépit des difficultés, ça ne peut pas être les difficultés que confronte le pays ne peuvent pas représenter, ne peuvent pas être un prétexte pour ne rien faire. Nous avons une exigence, quelles que soient les conditions, parce que nous appartenons à un secteur étatique, nous avons une exigence de délivrer des services. Il nous faut absolument délivrer des services. Aucun prétexte n'est justifiable, voyez, pour ne pas le faire. Donc merci à tous et puis on va continuer avec la sécurité. Dans le gouvernement, je salue nous et je remercie nous pour la cérémonie que nous organisons matin pour nous capables d'inaugurer le renouveau de l'hôpital au Fatma dans la ville Cap-Haïtien qui a pour vocation de servir non seulement les gens qui travaillent dans l'État qui est assuré. Mais mon tour qui a travaillé dans le privé qui a assuré, et mon tour qui n'a pas travaillé, aucun côté, ou tout le monde qui a travaillé, qui n'a pas assuré, on connaît que l'hôpital a voulu tout le monde service. Quittez-moi encore retirer chapeau devant voyant garçon ça, qui c'est le docteur Carl François, directeur général au FATMA, que je rencontré grâce à Ascension Moi. Dans la tête du ministère des Affaires sociales, côté que nous venons collaborateurs, et je crois que c'est le premier directeur général et organisme autonome que j'ai rencontré. Et depuis, dans la première rencontre, j'ai été admiratif du travail du directeur fait dans la boîte là. À chaque fois que j'ai rencontré ça, j'ai essayé de poser une perspective pour nous améliorer la qualité de service, assurance yo que la gérer, parce qu'elle va gérer une seule assurance, la gérer assurance et fonctionnaire public yo, mais la gérer tout, assurance, l'autre travailleur qui va travailler, l'autre travailleur travailleuse qui va travailler dans le public, qui est couvert par assurance, maladie, maternité et accident. Yo. Donc chaque fois, moi essayer soulever un problème que moi venu avec dans la tête, moi que nous t'aimais toucher comme un malin pour guérir, que ça soit sous assurance employé qui travaille dans le secteur public là, que ça soit sous assurance mon qui travaille dans le secteur privé, moi réaliser que DG de Guétan gagne un plan, DG de Guétan gagner un projet sur ça. Et une des choses qui est plus épatée nous, c'est la stratégie de l'OFATMA de construire des hôpitaux afin d'être autonome en termes de prestation de services aux assurés. Tout le monde qui a peut-être gagné assurance parce que nous avons travaillé, pas vrai? Nous tous avons assurance, mais nous tous connaissons qui niveau d'insatisfaction que nous gagnons par rapport à l'assurance. Le MAPC est posé pour le nom, j'étais sensible à lui-même. Un problème que nous gagnons à l'assurance, c'est prestation de services de soins de santé. Parce que lorsqu'on est malade, on gagne un paquet de formalités pour remplir. Avant qu'il y ait accès à soins, si accès, il y a l'oral.
Donc, ça va du tout au dos bien. Si tout, lors on cas d'urgence, ou du moins, lors on monde qui malade, faut qu'on sorte d'un pays perdu pour réussir à joindre un prestataire qui accepte assurance souvent, n'est pas du tout intéressant. Donc, nous avons réfléchi pour regarder comment on va faire que service assurance soit automatique. Et nous pensons qu'avec l'effort qu'on a fait, côté que nous avons à travers OFATMA gagné 7 structures de prestations de services en termes de soins médicaux, et que nous gagnons en perspective de nouvelles constructions qui pourront engager dans le tabac, dans le NIP, côté que nous sommes actuellement en discussion. Sous éventuellement possibilité pour nous gagner un financement de l'ordre de 3 millions de dollars américains pour nous initier construction de l'hôpital au FATMA Nani, que moi nous avons commencé avec l'hôpital péninsule sud. Et nous pensons que c'est un effort à encourager. Et nous souhaitons, quel que soit le groupe monde qui a venu dans la tête, l'État dans le niveau affaires sociales, et que même gens n'a fait aujourd'hui à fond effort pour nous assurer continuité ça qui a fait yo dans le sens pour satisfaire demande sociale yo, et que n'a assuré pérennité. Maintenant, si nous considérons l'hôpital ça que maintenant qui réunit nous là, dans quel content parce que nous réunis dans un bel espace, un espace qui frais, un espace qui propre, un espace qui a gardé dans la projection là, nous avons qui gagne de matériel qui propre, qui neuf, nous sommes contents. Mais moi invite chaque monde qui là à penser à un bagage important pour espace ça toujours faire fierté tout haïtien, pas seulement monde qui est à vivre dans le département nord ou bien dans la ville cap-haïtien, mais pour espace ça continuer à faire fierté nous tous, on va être important que m'inviter nous à réfléchir à lui-même son question. Comment pour nous quimber espace ça avec toute fraîcheur, avec toute standardisation que nous avons là dans la projection en termes d'équipement qui va permettre que la qualité soignant les pas qu'à faire pécater, ou du moins, c'est qu'elle doit pas camarade qualité soin qu'à bailler dans de l'autre environnement qui trouve. C'est plus qu'une question. Et bien, réponse à l'élan, mais chaque. D'abord, l'élan, mais autorité qui peut vous placer, tant que autorité dans le ministère des Affaires sociales, qui est pour bailler en bonne collaboration avec la direction générale au FATMA, qui à chaque fois gagne un besoin. Qui m'a des moyens et que l'État a un rôle pour jouer là-dedans et que nous mettons au travail pour que le rôle pour nous jouer, pour moyens au fini nous jouer. Deuxièmement, les dépendent tout de OFATMA qui pour mettre un bon dispositif de supervision et de suivi d'évaluation de sa capacité pour qu'attend à chaque fois qu'il y ait besoin pour nous intervenir en termes d'entretien, de maintenance pour que ça nous gagne là comme dispositif, mais toujours qu'il y ait le même standard là. Et ensuite, il dépend de monde qui a un service dans l'hôpital là, tant pour médecin, tant pour directeur médical, tant pour infirmière, tant pour petit personnel, tant pour tout le monde qui gagne pour y avoir un service, pour y manipuler les outils, pour nous vivre dans l'espace là, nous gagne pour nous garder espace avec même souci de standardisation. Ensuite, il y a un usager, ça veut dire que les gens qui viennent chercher soin dans l'hôpital, ils ont besoin qu'on ait que l'espace c'est bien public, c'est pour nous tout plier, et que Jean dit là, gaspiller l'État, pas gaspiller, c'est plus vieille idée que nous avons, et c'est une bagaille qui fait la vie dans la cité, dans l'environnement qui va faire nous fiers. C'est pour chaque monde qui a fréquenté l'hôpital là, dit dans tête yo, ça c'est bien PAM. Ça c'est service PAM.
Ça, c'est bagay qui fait fierté, si je viens à un étranger là, qui a un problème de santé, je viens à un étranger, pas gagner aucun étonnement par rapport à ça, ou à l'autre côté. Et pour usager, capable de gagner mentalité ça, nous-mêmes qui sommes responsables, nous avons une double obligation. Non seulement nous avons une obligation pour nous travailler, pour nous faire un espace à frais, mais nous avons une obligation pour nous faire éducation moun k'ap fréquenter espace. Moi ta remè ki gen yon module de formation ki est développé et ki bay moun chak lè moun fréquenter espace sa ki nan on ti tan tout kout fè moun nan konnen importance kembe espace sa jan liye la genyen nan la vi nou chak et que jusqu'à ce que nan fè toute communauté a comprenne que chaque sa nou construit. Chaque ça nous fait sacrifice, nous mettez à la disposition de communauté A et que communauté A a une responsabilité pour protéger. C'est vrai pour gagner une frustration de part et d'autre. Professionnels qui travaillent pas foutis satisfaits dans conditions dans travail journée jeudi à là. Dans travail dans conditions pour dire que salaire non pas permettre non répondre à obligations personnelles. Dans travail dans conditions pour dire que parfois zouti que yon bon pou n'travaye yon lan inadéquation. On kote, parfois yon kon trop standardisé par rapport à formation yon et que yon pa gagne formation yon. Parfois les yon besoin maintenance yon pa gagne dans des techniciens qui suffisamment préparé pour faire maintenance yon à temps. Tout ça c'est bagay qui va cumuler frustration. Mais même si yon gagne frustration, que travail toujours pote, à quel que soit niveau de travail, yon toujours gagne de frustration. Mais songez, il y a un bagage qui est important. Nous avons un service à public là et nous faisons partie public là. À chaque fois qu'il y a un sentiment de frustration, il faut aller pour saboter un dispositif qui a servi tout, eh bien, on commence à détruire, on commence à créer des conditions pour la misère. Et c'est ça qui fait nous inviter tout le monde à approprier de l'hôpital là, faire l'hôpital la propriété personnel ou parce que sous malade tout autant que l'hôpital la bien fonctionner c'est tout autant que quoi bien garantie ou bien soin de santé. Moi même moi j'ai on par contre c'est son défaut bien qualité bien doit malade en pile m'a souffrir en pile depuis me fait ça m'aider bien l'hôpital là j'ai l'impression de retourner moi soulagé j'ai même impression que guéri surtout les jeunes personnels qui accueillent bien qui prennent en charge bien. Et je pense que tout le monde a besoin de ça. Donc, nous-mêmes professionnels, moi-même, je fais toute carrière comme professionnel de l'éducation et je fais toute carrière tout comme militant syndicaliste. Ça veut dire que je compte revendiquer, je compte contester, je compte frustrer, mais je fais effort que je toujours été un professionnel qui souscrit à l'obligation de service. Je souhaite que le sentiment ça a animé chaque professionnel qui l'a, je souhaite que les gens qui sont professionnels qui dans le cadre pour fréquenter l'espace là comme usager, nous animer d'un sentiment que ça c'est propriété pas non lié et que c'est non lié là pour le desservir, quel que soit ça nous gagne comme frustration. Haïti nous gagne ça comme pratique. À chaque fois que nous frustrés, à chaque fois que nous gagne de problèmes que nous avons résoudre, que le social, que l'économique, que le politique, nous commençons à résoudre pendant nous craser le dispositif que nous gagnons qui pour et participer, qui vous servir. Donc, moi invite nous à changer de pratique. Moi invite la communauté à changer de comportement. Moi invite nous chaque qui l'a et ça peut-être qui va attendre intervention ça à remettre structure qui mettait en place pour servir nous. Pour que le nouveau problème n'a résoudre, nous pas besoin de craser structure pour nous dire recommencer, mentir, nous pas recommencer. Parce que souvent c'est dans le monde dénoué. Souvent c'est dans le monde dénoué. Nous pas souvent gagner propre moyen. Donc, bagay qui dit n'a crasé, n'a recommencé, hein? Moi invite chaque monde qui est là, chaque monde qui parle là, peut-être qui va attendre, faut nous suspendre bagay ça. Parce que États-Unis, Canada, etc., nous, ouais,
que nous envions vivre là. Chaque fois, nous avons un petit problème là, que nous créons, nous courons, quitter problème dans le monde qui va avoir, et nous courons dans le cacher l'autre bord. Pays ça yo, soit où est la caillou, y a 200 ans que y a construit. Chaque jour, c'est mettez sur ça, c'est pas craser pour recommencer. Donc, nous avons besoin de faire effort ça pour que nous suspendions craser ça, nous gagnons, mais nous continuer construire, mettez sur ça, nous gagnons, pour que pays nous, quand on paye, que tout le monde remet vivre là-dedans, que tout le monde envie vivre là-dedans. Dernier bagage, un petit peu fini. Nous connaissons au niveau du ministère des Affaires sociales que nous avons lourde responsabilité. Responsabilité pour nous faire pour nous sentir présence l'État dans la vie. Il y a deux principaux moyens que un citoyen, un monde qui vit dans une communauté, dans un État, sentir présence l'État dans la vie. C'est l'État exercer la coercition et puis c'est l'État faire intervention sociale pour garantir, pour protéger, faire de l'intervention, mettre de bagages en place. Pour assurer protection sociale ou promotion sociale. C'est deux formes, ça y est, principale façon que moun senti l'État dans vie, que moun senti présence l'État, parce que nous pas ta main l'État, nous pas ta ouais l'État. C'est dans gens le manifester le senti. La coercition, les gagnants en turbulence, force de l'ordre, la rétablir de l'ordre, c'est contrainte. Les moun payer taxes, pas que moun qui aime payer taxes, c'est parce qu'on connaît la loi punir ou sous pas payer taxes. Ou payer taxes. Et un ensemble de bagages pour faire pour qu'il y ait une société en stabilité, l'État a un outil pour contrer nous faire ça. Laissez-en sentir l'État. L'on est en prison, sentir l'État. Que on a une grosse position ou à faire une série de bagages, nous, ouais, l'État, l'air ou tomber en bas contre l'avancement de l'État, quel que soit l'autorité, quel que soit le niveau, l'État a fait sentir dans le métro dans la prison. Donc, il y a une forme. Que l'État fait citoyen sentir présence, c'est par la coercition. Deuxième forme, c'est par des interventions en termes de protection sociale. C'est l'État pour assurance. C'est l'État pour assurance chômage. Si vous perdez du travail, vous connaissez que l'État a un petit bagage que l'État met à côté pour vous. Et que si vous perdez du travail, en attendant pour vous jouer votre travail, l'État accompagne vous. C'est l'offre diplômé. L'État met des dispositifs qui font qu'on a un stage professionnel et que l'on va appliquer pour le travail. Il n'y a pas obligé de demander une expérience de travail encore, ils sont sentis l'État. C'est l'air ou mal, là, où tu as travail, où tu as assurance qui permet que, qui est capable d'amortir le coût de soins de santé, où ils sont sentis l'État. Dans tout ça, nous disons, au Fatma, c'est dans ça lié. Le ministère des Affaires sociales, c'est dans ça lié. Et qu'il y a là-dedans, le ministère va mettre en place. Et que nous avons pour mettre en place, tant pour assurance chômage, tant pour obligation de stage obligatoire, obligation d'accès au stage obligatoire. Donc, quand nous faisons des choses, citoyens ont senti présence l'État et nous avons pu se mettre pays nous tout parce que pays nous mettait à disposition pour que les protéger socialement, pour que les faciliter nous grandir socialement. Donc nous comprenons tout ça, nous avons même pour ça chaque jour, nous avons fait effort pendant le temps de passer là, mais nous avons fait effort pour nous permettre que en pile nous comprenons la nécessité pour que nous mettions l'État à la disposition de chaque citoyen pour faire l'État servir les citoyens pour nous suspendre l'État. Qui a créé monstre et qui a créé misère avec tout le monde pour tout le monde. Nous encourageons tout le monde, qu'il y ait l'hôpital ça, que nous remettons, je veux dire, dans un standard, fait effort pour nous qu'il y ait l'hôpital là. Trois, continuer à exiger l'État, pas paix, exiger l'État pour prendre responsabilité, pour mettre des moyens pour ça. Pas paix, exiger au Fatma pour prendre responsabilité, pour mettre des moyens pour ça. Quant à nous-mêmes, moi-même, qui ministre Kounia, avec Dr. Kal, qui DG Kounia, et Mme Ewol, qui DG ministère Kounia, nous capables de dire que nous-mêmes nous faisons engagement non, pour le travail jour et nuit, pour que, aussi petit que le cahier, mais moyen que nous avons besoin, que l'État cabane nous, que nous mettons à disposition non, pour notre travail. Encore une fois, nous remercions et nous souhaitons que nous prenions en main l'hôpital, nous qu'embellions propre. Pour que chaque Haïtien qui fréquente la ville là capable de sentir de fierté parce que il y a un espace que l'État met à disposition nous, qui capable de nous service de santé dans un standard qui permet de nous satisfaire. Merci.